De quoi? Ça va? Putain, je me balade trop là. T'es toujours en balade, toi, de toute le temps. Bah, c'est le principe de l'émission. Bon, tu fais quoi? Bah, écoute, je te parle. Bah, c'est de la merde alors. Hein. Oh, t'enfoiré. Tu fais quoi de mieux? Non, mais c'est pour moi, je te dis, c'est de la merde, tu me parles là. On s'en fout. Eh bah, écoute, j'ai des concerts en prévision là pour l'instant. Ouais. Ouais, semaine prochaine et tout, mes soirées privées. Alors, dis-moi tout. Attends, parce que la musique est trop forte, j'enlève mon casque. Attends, je me retourne, c'est mieux. Ok. Je dis, oui, j'ai des soirées privées. Ouais. Donc, de concerts lyriques. Tu m'as tendu une perche, mais je fais pas la vanne de je te retourne parce que... Ah, trop tard, merde. Bon, donc, alors, on en est où? Donc? Ouais. Je reprends où? Tu reprends à... là, on n'a pas coupé, hein. Ah d'accord, ok, bah, comme je te disais, voilà. T'as un flash dans la gueule, non, c'est pour ça? Ouais, non, mais en fait... Putain, ouais, c'est horrible. T'as pas un chargeur de iPhone, toi? Ça n'a rien à voir avec l'interview, hein. Mais non, je sais. Mais si, il se balade par là, là. C'est vrai? Oui. Ouais, tu me le prêtes. Combien tu payes? Je te fais un bisou. 1%. Oh, l'enfoiré. 1% de bisou. Un bisou, 1%. Tiens, salaud, t'as l'iPhone 5 ou quoi? Oh, c'est de la merde, t'es même pas. Oh, bah alors, il est dans la voiture, le chargeur de l'iPhone 5. Parce qu'il y a l'adaptateur iPhone 4S et iPhone 5 en même temps. Et tu débranches pour avoir le petit truc de PD de l'iPhone 5, c'est ça? Voilà. Donc, et toi alors? Bah, moi je suis là, regarde. Ouais, bah écoute, elle est sympa cette soirée, hein. Ouais. Il y a pas mal de monde. C'est quoi le principe de la soirée? J'en sais rien. Non, attends, parce que tu montres ça à Cindy, elle te défonce ta gueule. Non, tu lui montres bon. Pas. Alors, c'est quoi le principe alors, de la soirée? C'est une soirée pour Cindy Lopez. Ouais, voilà. Ouais. Pour son album. Pour son album, promotion son de son album, son ouais. Single. Ouais. Il y a beaucoup elle de monde, elle c'est là. Super sympa. C'est super sympa, c'est franchement, ouais. C'est génial. Écoute la musique. Elle était dans une boîte de nuit du flic de Beverly Hills, cette musique. C'est vrai? Ouais. Attends, tu peux aussi? Tu peux pas me niquer mes classiques, je connais par cœur. Bon, on en est où alors? Eh bah écoute... Et notre émission tous les deux, on l'a fait quand? Parce que c'est bien beau de se croiser dans les soirées comme ça, mais... C'est vrai, j'ai déconné. Non, là, autant pour moi, c'est moi qui ai fait la grosse mais tour, et là, t'enregistres, comme ça, je suis fichée. Ouais, parce que les gens, ils savent pas que t'as pas répondu à mon... Ouais, WhatsApp. Tu m'as appelé 3-4 fois, je t'ai ignoré. En fait, c'est par la maman. J'ai dit connasse, hein. De quoi? J'ai dit connasse, hein, mais tu l'as pas entendu. Non, j'entends pas. Oh, c'est pas grave. Madame connasse, chérie. Ok, voilà. Bon, bref. Voilà. Ok. Bon, on fera sans alors, hein. Sans quoi? Sans ton émission pour toi. Pourquoi tu la feras sans? Bah, parce que tu réponds jamais. Mais si, je fais te répondre. Et t'es gentil que quand y a moi et ma caméra. Ah ouais, parce que mais sinon mon téléphone, méchant. Tu l'aimes pas. Oh, t'es mauvais, je t'ai répondu combien de fois? C'est là juste, j'ai pas pu. J'avais pas pu, sinon à chaque fois je te réponds. Oh, d'accord. T'es mauvaise langue. T'es mauvaise... Il est mauvaise langue, c'est. Je constate. C'est... Ah, mais il est méchant. Oh. Ah, y'a maman, regarde. Bref. Parle à maman. Bon, allez, dis top du gun et on enchaîne sur la séquence suivante. Et la prochaine fois qu'on se voit. On l'a déjà dit dans la dernière émission, la prochaine fois qu'on se voit, on fait une émission tous les deux. Ça marche, la prochaine fois qu'on se voit, on fait une émission tous les deux. 1%. Qu'est-ce qui se passe ici? Course, en lieu de Paris les frères, on fait nos arts AF, authentiques et forts. One love, Secret Squad, Drake for you, one love. Merci à Cindy Lopez, opérationnel, Stick Music. Excuse-moi, en tant que caméraman. Ouais. C'est quoi ça? Je suis OP, c'est que c'est moi, on est dans le festin, je suis OP. Ah, je sais pas, il y a l'enceinte, viens là. Je suis OP, je suis OP, je suis OP, voilà. Elle m'a pété un casque. Je suis OP, c'est que c'est moi, on est dans le festin. Interdiction. Je te paye en liquide. On n'a pas le droit. Vous êtes qui? On va vous filmer. Viens. Alors en gros, c'était un caméraman pour la chaîne, pour une émission pour la chaîne numéro 23. Et bien sûr, la fille en mode reportage à côté, plaisante bien évidemment. Pas d'insultes sur Twitter, s'il vous plaît. Alors, c'est vous ah, vous allez bah, moi j'ai mon fils. Ah bah oui. Bien, bah, ça va, tu vois, tu t'en vas. C'est pour la photo de classe. Ah. Oh non, mais
On est au milieu de la soirée, tu m'as même pas présenté à Libye. Ah merde. Ouais. Ah bah non, j'y vais. Tiens, pas prête à monter sur scène avec... Applaudissez Didi Lopez. Alors j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que l'accueil est chaleureux ici aussi quelques soirs ce soir. Alors ce qui se passe entre nous, bah, je pense qu'une grande histoire est née. Une rencontre. Voilà, c'est la rencontre de deux univers, le rap et la télé-réalité. Et je pense que de notre rencontre, il pourrait y avoir quelque chose. Vas-y, je te laisse dire quelque chose, vas-y. Bon, on va leur préparer quelque chose de très joli. Bientôt, on va leur préparer un bon petit bébé, il faut qu'ils suivent. Alors, pour faire un bébé, vous savez ce qu'il faut ? Il faut de l'amour. Et vous savez quoi ? Moi, il y a tout. Maintenant je vais la laisser, elle va vous interpréter une super belle chanson. Et soyez à l'écoute, parce que ça arrive très très bientôt, c'est très fort. Et on continue à passer une très bonne soirée. Juste avant qu'elle chante, je voudrais un maximum de bruit pour elle. Un maximum de bruit. Allez. Pascal, c'est l'air, c'est classe quand même. Alors, oui. Là on est au concert de Cindy et pour moi, c'est la meilleure soirée de ma vie. Malgré les 4 enfants que j'ai eu et tout ça, c'est rien. C'est non. Ah non. Là, c'est... Moi je suis stérile, donc pour moi c'est la meilleure soirée de ma vie. Ouais, tu veux te déstériliser, faut voir avec Cindy. Ouais, viens ou bien. Ouais, tranquille. Pascal, c'est même qui me fait rire derrière. Tu peux arrêter de me faire rire, ça me fait vibrer dans le montage. Bon, c'est la fin de l'émission. Ici. Est-ce qu'on la fait ensemble? Au max. Bon, dis-moi, t'es avec qui là? C'était Garde du Corps? Je suis avec c'est Garde du Corps, l'artiste qui travaille avec moi. Ouais. Un gros qui est Gucci. Ouais. Et voilà. Et Hakim. Et Hakim qui est là, c'est le staff. Alibi, yes. Tout ça. Bon, alors explique-moi. Résumé de la soirée, qu'est-ce qu'on a fait toute la soirée? On a passé un bon moment, hein. on a bu, on a mangé, il y a des partenaires qui sont là. Ouais. Tout le monde s'est détendu. Et voilà, ouais. Ça grappe, ça fait du bien. Nickel. Voilà. Très bien. C'est bien. Bon, longue vie au single alors? Longue vie au single, à ce que Cindy prépare. Et puis, moi j'étais là surtout pour soutenir en tant que parrain. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Ok, très bien. Tu sais où je t'ai découvert, hein? Non. Tu as défoncé la gueule à Max Boublil. C'est un ami maintenant. Ah bah je veux bien le croire. Hein. Je passe le big up. Ouais. Salut mec. Oh, oui. Ciao. C'est un poteau en commun, on est d'accord. C'est. Bon écoute, on fait un double coup de boule à la caméra et ça lance le générique de fin d'émission. T'es prêt ou pas? Vas-y. 3, 2, 1. Un double coup de boule. Ah, un double coup de boule. T'es prêt? 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais là? Un peu de foot. Je pensais avoir une émission sympa et je me fais envoyer chier en deux secondes. Non? C'est pas juste.
Tu l'aimes pas, Juju? Non. C'est un connard, hein. Il est pas drôle. Il est pas drôle. Moi, j'aimais bien tes caméras cachées dans les années... tu sais, le siècle d'avant, là. Moi, fais-moi bisous, on fait la paix.